Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة. والسلام. على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Alors, la semaine dernière, on avait raconté une histoire magnifique avec le prophète Sou, et avec la reine de Saba, qui s'appelait Belkis, et avec le Hod, la huppe. Très bien. Et aujourd'hui, on va raconter l'histoire du Hout, de la baleine et du prophète alayhi salam. Il n'y a aucune question. On n'a plus beaucoup de temps. Et je vais entendre parler de personne. Mouna. Alors écoutez les enfants. Aujourd'hui nous allons raconter une histoire magnifique. D'un prophète qui s'est fait avaler par une baleine. Imagine, il est resté plusieurs jours dans le ventre de la baleine. Est-ce que c'est possible ça? Oui. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, un homme, il se fasse avaler par une baleine? Oui. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui. Eh bien oui, les enfants, c'est possible. Et oui, c'est vrai, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a raconté dans le Coran. Il y a très longtemps, dans une ville qui s'appelle... Je pensais que tu connaissais l'histoire par cœur. Ça, c'est pas un bon comportement du musulman de dire « Moi, je connais ça par cœur ». C'est faux. Nous, on connaît rien. C'est Allah qui connaît tout. Et si on connaît des choses, c'est parce qu'Allah il nous les a appris. Donc le musulman, même quand on raconte une histoire qu'il connaît, il se tait et il apprend. Mais c'est un mauvais, très mauvais comportement de dire « Ouais, je sais, ouais, je connais, ouais, je sais mieux que toi, ouais, je connais par cœur. » D'accord les enfants? Donc c'était une ville qui s'appelait Ninive. Et c'était dans un pays qui s'appelle l'Irak. Il y avait un peuple. Et ce peuple, il était très méchant. Parce qu'il n'adorait pas Allah. Il ne croyait pas en Allah. Mais parmi eux, il y avait un homme qui était très gentil. Et il s'appelait Younous. Alayhi salam. Et Younous était un homme très gentil. Il aimait beaucoup Allah. Et il n'arrêtait pas de dire aux gens de faire le bien et de ne pas faire de mal et de croire en Allah. Et de dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mais les gens ne l'écoutaient pas. Les gens ne croyaient pas en lui. Il continuait à adorer des statues. Il n'adorait pas Allah Azza wa Jal. Et il se moquait de lui. Il se moquait de la vérité. Mais Younous
était patient. Il continuait de leur parler sans cesse, de les conseiller. Mais eux, ils ne l'ont pas écouté. Ils continuaient à se détourner d'Allah Azza wa Jal. Ils continuaient à désobéir à Allah, à faire du mal, à faire des péchés. Jusque le prophète Younous alayhi salam, il a commencé à désespérer. Il a dit que jamais les gens ne croiraient en Allah. Et Younous, il s'est mis en colère. Il s'est mis très très en colère. Et Younous, il a dit qu'il avait fait suffisamment d'efforts pour ces gens. Donc il est parti. Il a quitté son peuple et il a demandé à Allah de les punir. Et il a quitté Ninive. Il a marché jusqu'au moment où il est arrivé dans une cité, dans une vallée, dans une ville qui était au bord de la mer. Et il est parti au port. Et il a vu des hommes prêts à prendre la mer, prêt à monter dans le bateau. Il a été les voir et il leur a dit « Salam alaykoum, est-ce que je peux partir avec vous ?» Et ils ont dit « Oui, tu peux venir avec nous. » Et Younous alayhi salam, il a décidé de partir loin de Ninive. Donc il est monté dans le bateau avec des gens qu'il ne connaissait. Et là, d'un coup, Allez, on fait une grosse tempête. Plus fort. Et là, une grande tempête éclata. Et les vagues, les M-Wedge, elles sont montées très très haut. Et là, les marins, ils ont eu peur que le bateau coule. Donc ils ont dit, pour pas que le bateau y coule, on va commencer à jeter tout ce que nous, tous nos affaires, les sacs on les jette, les chaussures on les jette, les choses on les jette. Mais le bateau, il continue à couler. Et là ils se sont tous regardés et ils ont dit, il faut qu'on prenne un homme d'entre nous et qu'on le jette à la mer. Le seul moyen pour pas qu'on meure tous et que le bateau ne coule pas, c'est de choisir quelqu'un et de le jeter à la mer. Donc ils ont tiré au sort. Et la première fois, le sort a désigné Younous. Ensuite, ils l'ont fait une deuxième fois, c'était encore Younous. C'était encore une fois, encore Younous. Encore une fois, Younous. Donc là, ils ont compris que c'était Younous. Alayhi salam, Allah, il avait décidé qu'il devait jeter Younous à la mer. Et ils ont pris le prophète Younous, alayhi salam, et ils l'ont jeté. Ils ont pris le prophète Younous alayhi salam et ils l'ont jeté dans l'eau. Et Younous alayhi salam, il a essayé de se débattre. Il a essayé de nager pour pas couler, pour pas se noyer dans l'eau. Et là, une énorme baleine a ouvert sa bouche. Et elle a englouti Younous alayhi salam. Et Younous, il s'est retrouvé dans le noir, dans l'obscurité. Mais Younous, il n'a pas désespéré, parce que Younous alayhi salam, il savait qu'Allah azza wa jal, il entendait tout. Allah, il le sauvait. Allah, il surveille tout le monde. Allah, il sait tout. Allah, il entend tout. Younous, il a levé ses mains. Et il a dit « La ilaha illa ant ». Répétez « La ilaha illa ant ». Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Il a dit « Il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré, sauf toi. Il n'y a que Allah qu'on doit adorer. On ne doit pas adorer les statues. » Et il a dit « Subhanak, gloire à toi. » Et il a dit « J'ai été parmi le nombre des injustes. » Il s'est repenti. Il a demandé à Allah de le pardonner et, parce qu'il s'est mis en colère. Et est-ce qu'Allah lui a pardonné? Oui. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a entendu? Oui. Est-ce qu'Allah il a accepté son invocation? Oui. Donc là, Allah Azza wa Jalla a ordonné à la baleine
de s'approcher de la rivière, du rivage, de la terre, du sable et de rejeter Younous. Et là, Younous n'en croyait pas ses yeux. Il a commencé à nager, il a nagé et il a été sauvé par la permission. Par la permission. Par la permission. Et là, Younous, alayhi salam, il a compris que Allah Azza wa Jal l'avait puni, ensuite Allah Azza wa Jal l'avait sauvé. Et là, il a décidé, Younous, alayhi salam, de repartir auprès de son peuple. Et lorsqu'il est reparti auprès de son peuple, les gens étaient contents. Ils l'ont accueilli et ils ont vu qu'en son absence, ils ont vu que comme Younous était parti, que eux, ils ont commis des erreurs. Et ensuite, quand il est reparti à son peuple, ils ont dit, on ne veut plus que tu pars. On ne va plus adorer les statues, mais on va adorer. Allah. Et on va croire en Allah. Et on va dire, la ilaha illallah. Et ils ont vu que Younous était un prophète. Et ils ont écouté Younous. Et Allah Azza wa Jal, il les a guidés. Allah Azza wa Jal, il les a guidés. C'est pour cela, les enfants, que quand Allah, il nous aime, il nous envoie des signes. Il faut toujours croire en Allah. Il faut toujours adorer Allah. Et il ne faut jamais désespérer. Donc, on va redire ce que Younous disait. La ilaha illa ant. Levez vos mains. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna min al-zalimin. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna min al-zalimin. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna min al-zalimin. Et souvenez-vous, les enfants, à chaque fois que vous avez besoin d'aide, vous levez vos mains et vous demandez à Allah. Si un jour vous vous perdez, vous vous retrouvez tout seul, vous ne trouvez plus votre maman et votre papa, vous levez vos mains et vous demandez à Allah de vous aider. Et Allah Azza wa Jalla, il va vous aider. D'accord les enfants? Donc je vous souhaite des bonnes vacances. Et Inch'Allah, à la rentrée, on racontera l'histoire du prophète Isa avec l'histoire de l'oiseau.